Et on va parler des clips d'Anti-Crazy. Voilà, les clips qui étaient sortis, ça fait 3 semaines. Voilà, les clips d'Anti-Crazy, 3 fois. On va parler de ça. Je vois beaucoup de Guinéens qui se posent des questions. Pourquoi les clips n'ont pas atteint 1 million? Malgré qu'en tout cas, les clips sont magiques, les clips sont magnifiques. En tout cas, malgré qu'Anti-Crazy a financé son clip, mais les clips n'arrivent pas à atteindre 1 million. Je vois plein de Guinéens qui se posent des questions. Moi, je vais vous répondre. Je me répète, j'ai dit, nous les Guinéens, on ne maîtrise pas les showbiz, on ne soutient pas nos artistes. C'est la vérité. Sinon, quand tu regardes les clips d'Anti-Crazy 3 fois, c'est un clip de dingue, les gars. C'est un clip qui peut concurrencer n'importe quel artiste africain. N'importe quel artiste africain, les clips d'Anti-Crazy peut concurrencer, les gars. C'est la vérité. Regardez, les gars, les clips. Allez-y vérifier, allez-y regarder vous-même. Les clips, c'est dansable. Les clips, c'est magique, c'est magnifique. Les clips est bien fait, les clips est bien tourné, les gars. Et aussi, ce n'est pas les clips seulement qui est magique, c'est les sons. Les sons, les gars. Mais vraiment, comme nous, les Guinéens, on ne maîtrise pas les showbiz, on est nul dans ça. C'est pour cela que nos artistes n'arrivent pas à atteindre 1 million, 2 millions. Sinon, imaginez si Anti-Crazy, il était ivoirien, ou bien il était nigérien, ou bien congolais, les gars. Même sénégalais. Ou bien tanzanien. Je vous jure, il va atteindre 2 millions, 3 millions. Mais là, comme il est guinéen, nous les Guinéens, on ne soutient pas nos artistes, on ne sait même pas comment partager, liker les clips de nos artistes. C'est pour cela qu'ils sont en retard. C'est la vérité. Donc arrêtez de demander pourquoi Anti-Crazy a financé son clip et son clip n'arrive pas à atteindre 3, 1 million de vues. Mais où c'est vous. Lui, il a fait son job, il a fait son travail. Il a valorisé la culture guinéenne, la musique guinéenne. Il a travaillé dur pour nous sortir un clip, un beau clip, un magnifique clip qui doit tourner autour du monde. Mais nous, les Guinéens, on est là, on assis, on pousse pas, on ne les pousse pas, on ne partage pas, on ne like pas. Comment son clip va atteindre 3 000, 1 million? Comment son clip va atteindre s'il n'a pas, et s'il n'est pas accompagné par nous? Il ne peut pas lui seul. Lui, ce qu'il peut faire, c'est de travailler. C'est de travailler. S'il travaille, il nous sort un bon clip, un beau clip. Comment on va faire? C'est de partager, de liker, de faire des challenges sur TikTok, d'écouter. Mais si on ne fait pas, pourquoi on se demande pourquoi les artistes guinéens n'arrivent pas à atteindre 2 millions ou 3 millions de vues? Arrêtez de se poser la question, posez-vous-même, tellement que c'est bégo. Parce que ça m'énerve des fois, ok? Posez-vous-même la question. Parce que c'est vous. C'est vous qui ne poussez pas les vrais artistes guinéens. On ne pousse pas les vrais artistes guinéens qui ont du talent, qui peut ramener le drapeau guinéen vraiment très très loin, les gars. C'est la vérité. On ne les pousse même pas. Anti-Crazy, lui, c'est quelqu'un qui est sympa déjà. Quand tu parles de lui, il vient, il like, il commente. Il te laisse un pouce bleu. Ce n'est pas comme les autres artistes qui se prennent trop. Et je vais dire aussi aux artistes guinéens, vous savez, utilisez les réseaux sociaux quand même pour vous servir. Parce que quand vous sortez des clips, si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux là, c'est compliqué. En ce moment, c'est les réseaux sociaux qui font du buzz. Donc, utilisez toujours les réseaux sociaux quand même pour booster votre clip, pour booster votre son, utilisez les réseaux sociaux. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas connu, même si c'est quelqu'un qui a 5 000 vues, dès qu'il utilise 5 000 abonnés ou bien 1 000 abonnés, ou bien, je sais pas, comme 3 abonnés, s'il utilise votre son, likez, partagez. Parce que c'est ça que les artistes nigériens font, ou bien les autres artistes. Dès que quelqu'un, un influenceur ou bien un blogueur ou bien un vidéoman fait en tout cas, utilise leur son et il poste truc, il like ou bien il partage. Par rapport à ça, il y a certains qui vont voir et qui vont aimer. Ok? Donc les Guinéens ont arrêté de poser pourquoi Anti-Crazy n'a pas atteint 1 million. C'est à cause de vous, c'est pas quelqu'un.